Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Urbex Exploration. Alors aujourd'hui, ça va être une exploration un petit peu particulière parce que nous allons visiter un ancien garage poids lourd qui est complètement abandonné. Et justement, on va voir les ravages de cet abandon car c'est vraiment une catastrophe ce que vous allez voir et pour le garage et pour le voisinage et pour l'environnement. Je vous laisse regarder, on y va. Comme vous pouvez le voir, on se trouve devant ce vieux garage abandonné. Et au fil du temps, les gens ont vraiment déchargé toutes leurs ordures. Ce qui fait qu'il y a des produits, on trouve un petit peu tout et n'importe quoi. On va essayer de rentrer quand même dans ce garage, voir un petit peu l'état et voir ce qu'on peut y trouver. Alors vous voyez, tout est ouvert. Hein. C'est vraiment une catastrophe. On se trouve dans une ancienne zone industrielle. Il reste encore quelques épaves de camions. Vous voyez, c'est incroyable. Aujourd'hui, on se trouve en région parisienne. Et voilà ce que ça devient quand... Quand des incivilités sont faites. On va essayer de passer ici. Je vais essayer de ne pas m'étaler. Ah, même dans le... Ah oui, même dans le garage. Même dans le garage, c'est vraiment une catastrophe. Vous voyez que on peut y trouver tout et n'importe quoi là-dedans. Il y a des oiseaux. Il y a des oiseaux que je viens de déranger. Je pense que ce garage sera amené à être détruit parce que là, ça va coûter cher à tout déblayer. Là, c'était la place de ce qu'on appelle la fosse où les mécaniciens descendaient dedans pour réparer les camions et tout ça, mais... C'est incroyable. Il y a encore un pigeon qui est là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le pouce bleu, à commenter, à partager un maximum. Ça nous aide. Ça nous permet de nous encourager pour continuer. Hein. Et puis ça fait toujours plaisir. Hein. Voilà, comme ça vous recevez les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Bon. On va sortir de là. On voit que ça a été... C'est ouvert juste à côté. Voilà. Un petit peu. C'est dommage parce que c'était un beau bâtiment. Je ne sais pas pourquoi c'est complètement abandonné. Il y a un escalier. On va le prendre, on va voir ce qui se passe. Là-haut. Il est assez raide hein, quand même. C'est assez raide comme escalier. Tout a été déblayé. Bon, bah, vu qu'il n'y a rien en haut, je vais voir un petit peu ce qui se passe en bas. Les vieilles armoires encore. C'était du costaud. Hein. Ah oui, c'est du bois, mais c'était du costaud quand même. Hein. Ça doit être du métal, je pense. Ah oui. Je pense qu'on se dirige vers les toilettes. Exactement. On voit encore sur le panneau
l'emplacement des outils qui étaient dessinés, les pinces, les outils spéciaux, le fameux robinet pour se laver les mains après le travail. C'est là que la journée de travail se terminait. Ça, c'est ce qui tenait le savon. Savon liquide, bien souvent. Il reste deux épaves de vieux camions dehors. On va aller les voir. Hein. Ah non, il y a le bureau encore. Il y a encore un bureau à visiter, là. Alors ça, j'imagine que c'était le bureau du patron. Bien sympathique. Voilà. Ce qui fait mal au cœur, c'est que ces garages ont beaucoup travaillé. Et puis, pour quel résultat? Bah, terminé. Voilà. On va sortir de là. Alors moi, ce qui me fait halluciner, c'est un petit peu de voir les ordures qui ont été déposées. C'est impressionnant. Impressionnant. Vous vous rendez compte, c'est des tonnes et des tonnes de poubelles qui ont été posées là. Et si on fait le tour, on peut s'apercevoir que vraiment ça fait le tour du garage, quoi. On voit, il y a encore des vieux pneus qui ont été abandonnés là. Et tout ça, il faut le traiter par la suite, hein. Lui aussi, il est bien abandonné. Parmi les détritus. Ça fait un moment qu'il est là, vu que on voit même la végétation qui pousse à l'intérieur. Visiblement, la nature reprend ses droits. Il y en a partout. Je me suis même aperçu qu'il y a une voiture qui est cachée dans un coin. Je vais vous montrer. La voiture est abandonnée et elle est cachée là. Et on va aller la voir. Le seul truc, c'est qu'il faut que j'arrive à passer. Je vais essayer de passer là sans m'étaler par terre. La voiture est cachée là. Alors pour les connaisseurs, vous allez reconnaître ce genre de jante. Il s'agit bien de ce qu'on appelle une Golf GTI. Je vais éviter d'y toucher parce que j'ai pas envie de laisser mes empreintes dessus, on sait jamais. C'est le moment de ressortir. Il y a un deuxième camion qu'on va aller voir, qui me semble assez ancien et qui est abandonné avec le garage. Il s'agit d'un camion, un ancien camion de déménagement apparemment. Lui aussi, ça fait un bon moment qu'il est là. Je pense que sa prochaine destination, ce sera sans doute la casse ou la ferraille. Bon, bah, eh bien, chers amis, c'est là que s'achève notre petit urbex du jour. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne, à partager un maximum, ça nous aide, ça nous encourage. Alors, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.